Hello tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul action. J'y suis passée tout à l'heure pendant la pause de midi parce que il me fallait 2-3 bricoles pour moi et je vais essayer de vous donner les. Je vais essayer de vous donner les prix au fur et à mesure, comme ça je couperai, ce sera plus simple que de les insérer dans la vidéo. Bref, je commence tout de suite. Donc je vous disais, j'ai pris des choses pour moi, mais aussi pour Charlotte, donc qui est ma meilleure amie, mon amie d'enfance, ma sœur, enfin, quand le stade de l'amitié a dépassé le stade de l'amitié, je pense qu'on peut considérer ça comme la fratrie, quoi. C'est la famille. Bref, elle habite en Corse, elle n'a pas d'action chez elle, ce qui fait que dès qu'elle veut s'acheter des trucs de déco, elle paye ça une blinde. Donc, du coup, il y avait des petits trucs qu'elle avait repérés sur Internet, je lui ai pris et je vais lui envoyer dans un joli carton que j'ai acheté chez Action. Bon, là, qui n'est pas plié, donc qui est immense. Voilà, donc c'est un carton qui fait 50 litres et ceux-là, les cartons, je vais même vous donner le prix, ils sont à 1,19€. Voilà, alors tout d'abord, j'ai pris ce joli papier cadeau, je le trouve mais trop mignon, trop beau, pour ma box avec Mel. Donc le papier cadeau est à 49 centimes. Ensuite, donc pour les fils de Charlotte, j'ai pris comme ça de la pâte à modeler. Donc ça, c'est à 5,95€. Voilà, vous avez les pièces d'alphabet et vous avez 8 pots. C'est des petits pots de pâte à modeler. Donc ça, c'est cool. Il va pouvoir s'éclater mon petit cœur. J'ai également pris des stickers comme ça, Lama, pour le fils de Charlotte, toujours. Donc ça, c'était à 57 centimes. Vous avez 8 planches à l'intérieur. Donc les stickers chez Action, on le sait, ça coûte que dalle. Pour moi, pour le ménage, j'ai pris 2 serpillères comme ça à franges. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de glam, mais ça me sert et ça c'est 59 centimes, donc c'est vraiment pas cher. J'ai également repris un plumeau comme ça parce que c'est bien pratique pour faire les poussières. Donc ça c'était 87 centimes. Pour emballer le colis à Charlotte, j'ai préféré prendre du papier à bulles parce qu'il y a des choses qui sont un peu fragiles. Donc ça c'est à 1,39€ et à l'intérieur il y a combien, je sais pas, 50 par 50, voilà. Ensuite pour Charlotte, j'ai pris ces grosses bougies LED, elle en voulait, donc en fait il y a 3 mèches, on va dire, de LED. Et celles-ci, elles sont à combien? La flamme qui est scintillante, donc ça c'était 3,98€. Voilà, je ne sais pas ce qu'il faut comme pile, je vais regarder, parce que si c'est les piles rondes, je retournerai lui en prendre action, parce qu'elles sont bien moins chères. Voilà, donc j'en ai pris 2 comme ceci. Le deuxième. Et là, donc ça, pour vous donner les dimensions, c'est du 15 par 20. Voilà. Pour le boulot, j'ai pris un pot à crayon comme ça, tout simple, à 57 centimes, puisque à mon taf, c'est à moi de payer ça. Mais bon, pour 57 centimes, si je fais la demande dans la barre, j'en aurai en 3 mois. J'ai pris 2 paquets de sachets de congélation. Donc là, c'est des paquets de 25. Ils font 0,9 litres. Voilà, c'est des IP. Je trouve ça plus pratique. Donc ça, c'était 69 centimes le paquet. J'ai repris un paquet de mouchoirs comme ça pour 84 centimes. Un autre balai à franges. J'ai repris des chaussettes pour Raphaël à 1,89€, les 3 paires. Elles sont très bien. Moi, je les aime beaucoup, les chaussettes de chez Action. Et je trouve qu'elles sont quand même assez résistantes. J'ai pris des pipes à sol pour mon chéri à 79 centimes le paquet, puisqu'il adore ça. Et il m'avait dit, si tu vas à Action, je veux des pipas. Donc, chose faite. Ensuite, pour l'anniversaire de Raphaël, j'ai acheté des petites gommes, mais je vais pas m'en servir comme telle. Pas de patrouille, donc normalement ils vendaient la boîte à 3,99€, mais là il n'y en avait plus, donc j'ai pris individuel. Elles sont à 83 centimes, je suis désolée pour la luminosité. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien allumé, hein, je vous assure. Voilà, on a tous les personnages de Pas de Patrouille pour pouvoir mettre en déco pour son anniversaire, parce que le thème de son anniversaire sera Pas de Patrouille, parce que Raphaël est fan. Et pourquoi pas les mettre sur le gâteau, je sais pas trop. Donc voilà, j'en ai pris 5, j'ai juste pas pris la fille. Je pense que je la prendrai quand même, parce qu'elle fait partie quand même du dessin animé. Donc voilà, 83 centimes pièce. J'ai pris un paquet de stylos Bic comme ça à 99 centimes parce que Pute en a parlé, je crois, dans une de ses vidéos, comme quoi ils écrivaient bien, enfin, ils étaient lisses, quoi. Donc on verra bien, je les ai pris pour le boulot. J'ai repris du scotch comme ça pour 79 centimes puisque ça, on a toujours besoin de scotch. Ensuite, j'ai pris un lot de 3 bougies comme ceci pour Charlotte en verte. Elles sont trop belles, kaki. Voilà, donc la plus grande est à 2,29€. Elle fait combien? Je ne sais pas. 19 cm de hauteur et 6,8 cm de diamètre. Voilà.
On a la moyenne qui fait 13 cm de hauteur et 6,8 cm de diamètre toujours et qui est à 1,79 €. Et on a la plus petite à 1,04 € qui fait 8 cm de hauteur. Elles sont trop jolies. Bon là la couleur, on verra pas trop parce que du coup la luminosité est à chier. Mais elles sont vraiment sympas. Ensuite j'ai trouvé des petits personnages comme ceci. Bon il n'y en avait pas beaucoup, franchement il n'y avait plus grand chose. Et ceux qui restaient étaient abîmés. Donc je lui ai pris le singe comme ça en doré. Là c'est vraiment con parce que ça lui rend vraiment pas justice la luminosité. Mais c'est des petites figurines comme ça dorées. Elles sont à 1,98 €. Donc je trouve ça vraiment pas cher. Elles sont vraiment lourdes, de bonne qualité. Donc on a le singe et l'espèce de je sais pas trop quoi, libellule on dirait, scarabée. Enfin non c'est une libellule clairement. Je crois qu'il faisait justement le scarabée, il n'y était pas. De toute façon je vais assez régulièrement à Action. Donc je verrai et quand j'en verrai je le prendrai tout simplement. J'ai trouvé donc des espèces de porte-manteaux on va dire. Toujours dans les mêmes styles en doré à 1,35 €. Donc il y a le singe. J'en ai pris deux pour Charlotte. Voilà. Et on avait le perroquet qui est trop beau. Il restait plus que ça. Donc voilà. Elle les accrochera comme elle veut. Je les trouve vraiment super jolies. Je vous dis ils sont vraiment de qualité. Hein. C'est lourd et tout. Donc super contente. J'espère qu'ils en feront d'autres. Que je puisse péter son petit carton avant de lui envoyer. Donc voilà pour tout ça. J'aurais dû me mettre comme ça depuis le début, mais bon, c'est pas grave. Voilà pour mes achats Action. J'espère que ça vous aura plu. Je sais pas si je vous mettrai cette vidéo dans un vlog ou si je la mettrai collée à un autre haul Action. Je ne sais pas. On verra bien parce que la vidéo est assez courte. Donc j'espère que vous, ça va. Que vous allez bien. Que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Ça me fait trop plaisir quand vous mettez des petits commentaires. Charlotte, si tu passes par là, du coup, tu auras vu peut-être de meilleure qualité que dans le magasin en FaceTime tout flou. Les objets que tu vas bientôt recevoir. Donc en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.